Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR. Qu'en va Ça va très très bien. Comment ça t en t en va très très bien. Première vidéo du nouveau standard euh, Meurtre au Manoir de Karloff. Euh, ça fait bizarre en français. Je euh, le vois en anglais partout. Murder at Karloff Manor. MKM. MKM, exactement. D'ailleurs, MKM qui ne s'appelle plus MKM. Et ah ils ouais. ont bien fait. Ah, et ils, sont, ils ont e ah, in enfin, okay. Il Ils s'appellent Card Market, mais c'est plus l'acronyme MKM. Ah d'accord, ok. Euh, Anzrag, la taupe sismique. Évidemment, vous attendiez à ça euh, pour les premiers decks, j'en suis sûr. On vous ressort pas un Esper raffiné avec de nouvelles cartes, ah, on non, veut tester de nouvelles cartes, mais pas on vie. va le faire parce qu'à mon avis ça reste un deck très très bien. bien mais sûr. Euh, on voulait vous présenter les nouveautés, alors effectivement une seule nouvelle carte dans cette decklist, mais quelle carte Ah oui mais après mais quelle carte a, le deck autour n'existait pas non plus, c'est une seule nouvelle carte mais c'est une nouvelle mouture nouvelle pour faire briller la carte évidemment. Bien Je sûr. pense que vous l'avez vu si vous avez regardé notre top, on aime beaucoup Anzrag la top sismique. On n'a pas trouvé de decklist sur internet satisfaisante avec Anzrak, donc on a essayé de vous proposer la mouture la plus intéressante pour essayer de maximiser les effets d'Anzrak, c'est-à-dire lui donner la célérité pour que dès qu'elle arrive, elle ait un effet dévastateur, mmh. à voir si ça suffira pour le standard. En tout cas, si dans ce deck-là, Anzrak, ça ne fonctionne pas, bon, bah, c'est qu'il faudra passer à autre chose ou alors trouver un build probablement ah, plus savant. Passer à la poubelle. Avant de parler un peu plus de la decklist, le de d'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Euh, L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir. Les sponsors, ça fait très plaisir. Playing by Magic Bazaar, code Valley 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous. Ça nous soutient, ça vous régale. Ça fait plusieurs play aussi quand vous fait de la petite commande, donc ça fait plusieurs à tout le monde. Et merci Ultimate Guard, lien affiché dans la description. Quand vous faites vos achats Ultimate Guard en passant par ce lien, ça nous soutient directement. Et il euh, n'y bah a que des dingueries sur leur site. Ouais. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'accessoires pour protéger vos decks, vos collections, il y a absolument tout chez Ultimate Guard. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé notre projet de société euh, Labelle Carte. Vous pouvez d'ailleurs nous soutenir dans ce projet-là avec le tapis fondateur La Belle Carte. Le lien est en description. C'est les premiers liens, euh, tous les moyens de nous soutenir. On est aussi en live vendredi. Soir sur VOCT à partir de 18h pour euh, des euh, live shows animations avec du booster collector du play booster euh, Meurtre au manoir de Karlov. Il y aura aussi du euh, booster collector euh, Ravnica Remastered. Ça va être une soirée d'exception. Tous les liens sont en description pour précommander le tapis, pour nous soutenir sur Tipeee et pour nous rejoindre sur VOCT. On vous attend nombreux. Ça va être incroyable. Dingue vie. Anzrag. Anzrag la taupe sismique 8-4 pour 4, énorme, légendaire, top et dieu. A euh, chaque fois qu'Anzrag, la top sismique devient bloquée, dégagez chaque créature que vous contrôlez, dont Anzrag, et cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Il n'y a pas qu'une seule fois par tour, donc si on vous bloque à chaque fois Anzrag, vous faites pa 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 pa, et vous faites plein de phases d'attaque. Et pour 7 mana dont 2 fois grûle, Anzrag doit être bloqué à chaque combat ce tour-ci, si possible. Euh, bon, ça c'est anecdotique, hein, on veut surtout bon. taper avec une grosse suite 4 et faire deux phases d'attaque. Nous ce qu'on a estimé quand on a vu Anzrag, c'est que si vous attaquiez avec Anzrag, et que votre adversaire n'avait pas danti vous alliez gagner la partie. Donc toute l'idée de ce deck-là, c'est comment on attaque avec Anzrag rapidement et comment on fait pour que la carte ne prenne pas anti-bête. Comment on attaque avec Anzrag On lui donne la célérité au tour 3 avec les sources chaudes pardon et la chasseuse d'orage imprudente. Et comment on la protège avec Ajar, garde du corps loyal, qui en plus de ça est une très bonne bête grue qui peut protéger les créatures légendaires. Si on arrive à mettre en place cette synergie-là, Anzrag est une carte qui a un power level vraiment incroyable. Par contre, c'est vrai que si on fait juste en Zrag et que notre oppo il fait droit à la gorge, oui, bah, il va falloir bon. essayer de tuer avec euh, le, le plan grul derrière. On a quand ça. même un très très bon deck euh, fonctionnel avec plein de tour pour pouvoir profiter de, de, de Kumano. Évolutive en transition qui, euh, elle, va assez facilement grossir à, à la vue des autres statistiques du deck. On a notre ami Inti, qui est une carte que vraiment puissante, qui euh, euh, synergise un petit peu avec elle-même, qui nous permet justement d'avancer, de trouver nos cartes clés pour assembler nos synergies. Meneuse de la bête et Ajar, qui sont de bonnes statistiques pour taper en grue Et enfin, un petit anti-bête, la frénésie du pisteur de sorcière, parce qu'on avait deux slots et euh, ça permet de tuer les, les, les raid adverses. C'est ça. Et Prêcheur du Schisme aussi, euh, parce que quand on bloque en Zrag, le but c'est que ça tue la bête et qu'on refasse une phase d'attaque. Mais les bêtes euh, Death Touch, bah, ça tue en drag ouais. On a la phase d'attaque, mais ça la tue. Donc, c'est un peu chiant. Après, si t'as eu le droit d'attaquer, que t'as pas pris danti et que Anzrag est bloqué, mmh. même si Anzrag est mort, je pense que la deuxième phase d'attaque, elle tuera ton oppo. Ben, ça dépend, hein, parce que si tu curves tout, euh, si tu mets une bête célérité euh, au moment où attaques avec Anzrag, ok. Mais si t'as pas de bête célérité à mettre, euh, un peu, ça, peut être, ça peut être mou pour tuer. Ça peut ne pas suffire. Ouais. Il a des trucs, il a des bloqueurs. Ouais, 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 bien sûr. Mais bon, ça, ça reste un deck euh, Grulstompi, euh, Si tu mets deux phases d'attaque avec Grulstompi à ton Oppo, euh, je pense que même s'il a bloqué, il est pas frais le type. C'est sûr. On va tester l'idée. Voilà, c'était vraiment oui, que, vous avez compris de créer tout ce deck autour d'Anzrag, de à voir si ça suffira. On part en Bo1 parce que c'est le tout début du format. Euh, on sait pas encore trop à quoi s'attendre, donc c'est difficile de, euh, de créer un side. Le side c'est vraiment là pour s'adapter au méta Ah toi aussi t'as Sparky qui la ferme jamais Ouais, je sais pas. Moi je l'ai pas. Ah, t'as pas, euh, pas la petite boule de Sparky Et les gens me disent, mais comment faire pour me dépêtrer de ça Je dis, mais je ne sais pas. Moi, il est juste parti fou. Peut-être aller le rosser, juste aller voir Sparky, mettez-lui ah ouais. un bon 20 Z là. Prenez, le, bah, prenez la déclistance rag, vous lui mettez tout dans le groin, voilà. après il va la fermer. 20-0, Sparky, après il la ferme. Classique. Puis c'est comme ça dans la vie. Hein. Quelqu'un qui parle trop, tu y vas. Ah, à... Mettez-lui ah, 20-0. Petit coup de coude, parle plus. Ça, c'est un bon exemple, ça. Il ouais, si y a des jeunes qui nous écoutent, régale tout euh, par la violence. Civiliser c'est mieux. Très, très bon. Bonne main, il manque le chef, mais... Ah mais on, on s'en fout, on, on a un deck grul qui bourre aussi, tu vois. Oui, oui. Moi, je, je prends cette euh, synergie-là. Le grul qui bourre. Ah, c'est étonnant, ça. En BO1, il y en a très peu. Il paraît qu'il y en a quelques-uns, ouais, mais ça nous va très bien. En okay, même temps, on oui, fait la promotion de ce deck-là en BO1, donc on va pas s'en plaindre. Oui. Ok, un petit land. Le quatrième land pour jouer euh, le Copain. Il est pico Bello, celui-ci. Il est un anti bête pour ça aussi. Hein. Si besoin possible qu'on ah, ait un, un bon match-up euh, si tout se passe bien. Là, 1-1 pour 1, elle n'est pas folle. bah Elle t'a donné ton mana, en fait. Elle a fait piocher une carte, franchement, elle est bien. Elle a fait piocher hein. une petite carte. Ouf. Ça va vite, hein. Ouais, ah, ouais, il est pressé, il est pressé. Mmh. Je crois que tu peux évolutive et éclaireuse. Ouais. Éclaireuse d'abord, voir ce que ça me donne. Euh, non, d'abord évolutive, parce que ça peut... Ça la fera pas grossière, quoi qu'il advienne Non, parce qu'elle aura le marqueur après, je crois. Ah. Oh, si, euh, on peut essayer. Moi ouais, non Je suis pas mais... sûr de moi. Moi non plus. Ça m'étonnerait pas que ça ne fonctionne pas. Elle va arriver en jeu en tant que 1-1. Ah, ah, que... Ça ne fonctionne pas. Ça ça dégage. Ça dégage. Ça ne marche pas. Et tu pourras bloquer avec ta petite 1 ah, là l'éclaireuse de... de ces notes. Ouais. 3-4 pièces c'est chiant quand même. C'est un peu relou, mais ça t'empêche pas de gagner dès lors que tu vas trouver en drag. Mais il va falloir le trouver. Ok. Il a pas de double gestion, je vais double bloquer ça. ça. Je crois que tu double bloques, ouais. C'est okay, bon, j'ai un fight bait mmh. Et je crois que tu vas juste garder frénésie up et passer le tour. Ouais. Ce qui est pas brillant, mais non mais ça réduit l'agression. Forcément un peu mieux que. Ah il est malin, il décide quand même d'attaquer avec fonderie. Mais si tu te respectes pas et qu'il met pas tout dans Invasion, pas si mal. On ouais, va tout mettre là-dedans, je pense. Ouais, mais du coup, tu gagnes un peu de temps. Je vais quand même tuer, je crois. Tu vas quand même tuer la 3-4. On ouais. servir de mon mana. Au moins, c'est fait. Et il a son dragon. Ouais. Après, là, il y a plus que de deux cartes en main. Il prend du retard quand même, même s'il a un gros dragon. Ah! Ah, mais c'est trop tard ou pas Si tu fais, chasse... si tu fais euh, chasseuse et que tu passes, il se passe quoi Déjà, je vais lander. Ou alors, tu fais Anzrag et que tu passes, pardon. Et le tour d'après, c'est chasseuse plus Ajar. Chasse On ouais. va tenter. De toute façon, fais-tu mieux Non. Voilà. Là, le but, c'est dans le groin. N'importe quel spell de dégâts rouges. Ah, il a, il a peut-être anti tu... hein, il peut avoir sa frénésie, hein, malheureusement. Ah, bah, ben, Play Fire, ça marche puisqu'il met deux avec ça. Ouais. On va bien tout prendre. je, te ah, je prends bien bien tout là, ouais. mais on lui mettra pas à ah, 20. Il a de quoi tuer en zèle. Ça le problème. Ok. Une, une bonne joueur. sortie. Quand même. Une bonne sortie. Tu peux t'en aller. Je vois pas comment est-ce qu'on solutionne notre problème ici. Si je fais double bête, bah tu seras mort en deux tours whatever quoi. Et encore plus si jamais il a un spell à jouer. Ouais. C'est un peu chiant. Ouais, je crois qu'on a gagné. Oh, du temps. Je pense que, que t'as perdu là. Euh, classico. Notre ouais, pot ouais. a fait une très bonne sortie euh, sur le play en plus. Donc euh, mm. c'était bah, complexe. la 6 5 pieds tour 2, curieusement, hein, ça nous a tué. Je crois que c'est son play wi fire moi, là, qui nous tue surtout. Bah en fait, ça nous enlève l'espoir le, de gagner. Mais quand il nous met à 13 avec une bête qu'on peut pas bloquer dès le tour 2 et qu'on a une 1-1. C'est fort. Oh. Très fort, très fort. Bon. Effectivement. C'est très drôle que Karn soit aplati pour Belcher. Je sais pas si t'as vu. Non je j'ai pas fait gaffe. Il est vraiment... Euh... Il est stock. En même temps il s'est fait aplatir récemment non Il s'est fait, euh, fait remercier. Vampi... Vampi Vania. Et je pense que c'est un nouveau Disney. Il travaille euh, dans les studios, ah, il est au courant. Allez, ouais, parfait ça tourne. C'est nickel. Je fais ça toi. Hein. Ouais, comme ça on a perdu. Monored. Par contre tu peux avoir le play contre Monored si ça t'embête pas. Parce que moi ça me dérange pas qu'il y ait dans BO1. Par contre ce qui me dérange c'est de jamais commencer. Euh, je vais essayer. Ça, euh, voilà, sans te commander hein, mais euh... Je vais faire en sorte que. Là le but c'est qu'il bute... Bute le, toutes le, mes bêtes. Le oh non putain, ne, pas, ne joue pas ces landes là. Ah, mais changez vos montagnes, je vous en supplie. Non non, Ne moi, fais le, pas ça. Je te le dis, je m'en fous. Allez, Ajar. Jajar. Ajar, je comme ça tu bloqueras le Kumano. Oh, je te sacrifie. Comme ça, je mets plus un à mon board. Si jamais il veut te le tuer, euh, tu lui fais. Eh ben non C'est moi qui choisis. N'empêche, c'est burn spell là, il les crame. Pépouze. <laughs> c'est Ouais. Il va quand même attaquer. Hein. Je le connais, un hein. joueur de monarque, ah, je ouais. les connais, ils inclinent tout à droite. Il y a pas de souci. Bloc. Fais-moi ton petit spell. Vas-y, vas-y. Juste, le... voilà, juste ça, c'est chiant sacrifie. Ouais. Si on prend les 5, si on prend 5, ouais. Après, notre deck, il tue au tour 4. Donc, mais, mais si on meurt nous au tour 3, il faut d'abord que tu joues... Euh, ouais. Marche, ah oui, c'est ouais, créature. Ouais, je confonds avec druid. druide, Non, c'est la, la, la meilleure version pour ce deck. Bon point de vue aussi. Hein. Donc, ouais, on si jamais on de... meurt avant que notre adversaire... Euh... avant qu'on puisse jouer en Zrak, forcément... ça ne va... fonctionne pas. Quoi. Avec donc, le... le... Les... On passe l'arme à gauche, quoi. On n'est pas méga enjoué, là, t'as vu. On passe l'arme à l'extrême gauche, même là. Ah ouais C'est-à-dire euh, que même à gauche, vous vous dites, tiens, il n'y a pas d'arme. Non, non, putain, il en plus à gauche. Pourquoi il hein. joue Arc de la Guerre de Nahiri Bah Parce qu'on joue des Hanzargues. C'est bien, c'est que peu importe la version de Monored actuelle, pas actuelle ou quoi, ah, ouais. ça nous défonce. Bah. Euh... Ah, je bloque, hein. Non, viens, on meurt. Je, meurs. Oh, je meurs Ouais, je pense tu meurs, ouais. Vraiment, notre premier degré meurt. Parfait. En drag. En drag. Et là, ce qui est beau. Là, t'es bien. Je crois Alors, que je mets 4 là. Il a pas... Non, mais non. Ah non, non, non. Je mets pas 4. t'es Il a pas Lightning Strike. Tu n'es pas mort là euh, avec un spell. Je me. Hmm. Je prenais le chemin de la porte. Ah, t'as perdu, je crois. Non, t'as pas perdu. Tu mets un. Marrant, ça, quand même. Du coup, là, faut faire du, du Grand Mendes. Est-ce que tu fais Sokenzan, jubourg il se passe quoi Bah... ouais hein. Il prend 12 et... Euh, <laughs> et bah, c'est devenu la chier, ouais. <laughs> Bah, du coup, part quoi. Ah non, je lui montre. Ah ouais Oh, moi, je lui montre même pas. J'ai un peu honte. Euh, tu sais quoi Il dit « D'accord, nos blocs Allez, bloque en Juste pour rire. Juste, viens, on rigole. Moi, si je suis lu, je bloque. Juste pour voir ce que ça ouais, fait. Ouais, franchement, Vampivania. Allez, pour le goût, quoi. Ah, bloque et je concède, tu l'as gagné. Il pouvait juste tout prendre. L'idée de ce jeu. Allez la top ça va marcher, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Mais en vrai, est-ce qu'on peut pas faire un autre deck et on met en drag dedans Non, mais un, genre Golgari... Mmh. Non, tu joues vraiment Golgari, c'est un bon deck, c'est mmh. ok. Bah ben tu mets un que... drag au milieu. Dans Golgari, il y a d'autres prétendants au, au, à la curve à 4, quoi. Oui, mais tu peux avoir plusieurs tours 4. Non, mais vraiment, alors, on dirait pas là comme ça, mais ce deck est bien. Ouais. Genre, il est bien monté quoi. Si jamais tu veux faire marcher en Zrag, le deck fonctionne. Juste, ah. on affronte monorette. sur le play à chaque fois. C'est vrai que c'est chiant. Et en voilà. plus, là, ouais. j'ai perdu 3 points de vie avec mes landes. Mec, t'as la curve et la sortie ultime. Là. Il faut piocher les landes, mais. Euh, T'es Je suis bien là. On a le play. Et il et a une plane, et est une play. Et c'est les bonnes couleurs. C'est bon. On est tombé sur quelque chose. Oh, on s'en il... oh, fout gros, ce que tu vas lui faire là, j'aimerais tellement pas être lui. Je détesterais mon adversaire. Ah ouais Eh ben je suis milliardaire. J'adorerais être mon adversaire. J'adorerais toi quand même en fait. vas-y fais des trucs. Ça bloque ça Ça me va du coup. Moi je veux des bloqueurs en face. Je des gros bloqueurs. Allez, chasseuse. Et tu vas piocher ton land comme ça on fait la main. Là on se fait un clip TikTok là. On est en train de juste setup un moment, tu vois. On sait un quoi Un clip TikTok. Ah, un clip, on clip, on, on, on s'installe, on se set up. C'est-à-dire tout pour le beau jeu, là, tu vois. Ouais, ah, ouais. Par contre, faut que tu trouves ton lance. Tu sais. Le clip tip top. Le clip, clip, clip tip top. Oh, j'aurais adoré. C'est des trucs quand même, gars. Ça va. Non, ça va, ça va. Son bord est plus gros que le tien, donc ça va pas très bien, finalement. Ouais, il a une 4-2 pour bloquer ma 8-4. Mais... On, on peut encore tourner une autre vidéo, hein, tu si... sais. Non, non, pas non, trop non. Tard. non, non, mais je, je le dis. Je pense que <laughs> je le dis. Les gens veulent voir en drag C'est que les oui, gens ils nous croiront du... pas. Les gens prennent du plaisir ici. Hein. Ils nous croiront pas si on leur dit juste Oh, c'était pas fou. Je sais que quand on se fait péter la gueule, les gens jubilent. Hein. ah oui. C'est un concept sur la chaîne maintenant. C'est vrai, vrai. en même temps, ça, on a été fort C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une image de marque sur nos défaites. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont pas suivis parce qu'ils perdent, tu vois. Mm. En mode Oh, ils perdent, je vais cliquer ailleurs. Mais nous, qu'on perde ou qu'on gagne, on gagne toujours. C'est maintenant, Val. C'est J'ai pioché mon land. T'as pioché ton J'ai posé mon clown. Là-dessus. Et tu sais qu'il sera pas trade parce que t'as un super Ajar Oui. Je sais qu'avec tout, hein. Bah, je crois pas. Y foutre. Ah ouais Bon, bah, ok, alors. Puisque tu... <laughs> Puisque tu as décidé d'enclencher... <laughs> Regarde. Ajar, maintenant. Ça bloque l'Anzrag Non, ouais. il va bloquer Chasseuse. Je pense qu'il a compris. Il a compris qu'il fallait prendre pas 9. C'est l'étal, s'il prend tout ou pas Oui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 non, c'est ah pas l'étal. Et l. derrière lui, c'est pas l'étal non plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Euh, 15, non, mieux. il met deux bêtes, euh, il 16. met 13 Ouais. Oh la boulette. Vas-y bah jarre-le. Hein. Bah J'adore ce qui se passe. Voilà. J'adore ce qui se passe. Voilà. Tu vois, on a tourné 16 minutes de vidéo pour arriver précisément à ce moment-là. Et tu vois, il est à 6, euh, donc à peu près euh, un tour 3 de mono-raid. On a juste un tour de retard sur mono c'est un bel exploit. Hein. Ça va, hein, avec le deck qu'on a, ouais. Il est fort quand même. Ça va en vrai. Mmh. Est-ce qu'on réattaque Je pense qu'on réattaque et on fait ouais. frénésie sur la carte qui bloque en drag. Ouais. S'il double bloc, il est bon. Il est pas bon. Est-ce qu'on tue cette adline ou est-ce qu'on tue cet, ad cet adversaire Adversaire, je crois, non et oui, adversaire, parce que ça buff. Donc ça, ça donne ah oui, donc c'est bon, il y a le trade. Ok. Tout à fait. Franchement, quand ça marche. Il est obligé trop... de bloquer là, sinon. Euh, parce que il trade là, il meurt. Quand ça marche, c'est trop, trop fort. Quand, quand ça marche, c'est trop fort. Mais il faut que ça marche, évidemment. Excellent. C'est bon, la masterclass ça... euh, est en <laughs> place. Oui, parce que comme l'ont dit les commentaires, une masterclass, c'est quand on gagne une game. C'est quand on gagne une game, c'est vrai. Sinon, c'est des master chias. Quand on gagne, de la belle façon. Là, c'était la belle façon. Et non, je te dis, nous, on a réussi à éditorialiser nos défaites. C'est là où on est des génies. Je vous en remets. Bah, remets-en une. Parce qu'il faut confirmer que ce pas de la chance. <laughs> C'est le moment où on est un peu déçu que la première victoire, elle arrive si tôt dans la vidéo. <laughs> tu vois Parce qu'un peu plus tard, ça, ça aurait, aurait pu être comme un tard, fin. On finit sur un ah, climax, ouais. tu vois. Alors que là, alors que TBKR, ah, il, faut... il va être sur le play, tout nous mettre dans la bouche, ça va être compliqué. pour faut quoi. retourner. Parfaite cette main. C'est incroyable. Le deck fait de belles mains. Hein. Le deck est bien construit. Ouais, belle manucure. Ouais. Bien construit. Alors, parce qu'on dirait pas, mais on a bossé, hein. On proposait ah oui. un truc bien, bien fichu, quoi. Ah oui. On a tapé Grul dans la barre de recherche et on a fait... C'est pas vrai, en plus. <laughs> c'est pas vrai. Oh Bonne carte. On ouais. n'a pas encore vu les, ouais. euh, les singes des montagnes. C'est vrai, vrai, vrai que euh, j'adore le, le dessin. Il oui. est trop, trop pipousse ce C'est singe. euh, les singes des... Euh... Pour moi, c'est le Jiraya les des montagnes singes, du Nord. Tu vois c'est le, le Sanin. Mmh. Notre ennemi juré. L'ennemi du deck. Oui, il en a passé un. Ouais. Donc toi, tu as plus dans ce rack qu'il n'a de. Ça, c'est mon ennemi personnel. Ah, j'ai fait le Chauve-souris challenge. Ouais, je sais pas si t'as vu ce que c'était. Non. Enfin, oui, j'ai vu qu'il y avait un challenge avec ça. Et, et ben, du coup, c'est en oh. rediff sur la chaîne replay. Euh, Comme tous euh... les challenges, j'ai bah, passé mon. Bah, si vous voyez le même jour, vous pouvez l'avoir le soir même, du coup, ce challenge-là. C'est vrai. Et en fait, tu joues 56 marées. Et 4 chauves-souris. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu sur ta miniature et j'ai dit mais c'est quoi le concept ouais. Et en fait, à chaque fois que tu exiles une carte avec chauves-souris, tu peux la jouer. Tu peux la rajouter dans ton deck. Mais comment tu exiles une carte Bah c'est son effet. Ouais, mais tu exiles les cartes de la main de ton Oppo. Oui, de la mais main ton de ton Oppo, ouais. il a que 4 chauves-souris aussi. Et 56 marées. Et non, tu affrontes le ladder. Toi, tu joues ça ah, et et les, les gens, ils... Et tu pars en ladder, Et du coup, le but, c'est de faire le moins de défaites possible. En fait, c'est du speedrun. Et ah dès que tu fais une win, c'est bon. Mais c'est claté ah, c'est rigolo. Qu'est-ce que t'as pioché Ah j'ai vu, On va partir sur une grande victoire, là, je te le dis. C'est. Euh... Oui, ok, d'accord. C'est euh... au nom de l'humour entre guillemets. Oui, d'accord. Ah, le cut down quand même qui parle là sur la chausseuse, c'est n'importe quoi le cut -down. Pourquoi ça existe Tu sais qu'on aurait du source là en réfléchissant à un cut down, mais on n'a pas réfléchi. Ouais, mais c'est bon, il a chauve souris cut -down droit à la gorge, mais couilles. Ah son... si si, je te dis. C'est son deck. Hein. Enfin, une vous... vraiment, ce que t'as cité perso, je trouve, c'est son deck. Là, je lui mets 11 rags, Oui, mais. Enfin, lui... je lui mets deux déjà. Il a rien. Enfin, genre, je suis pas étonné, si tu veux, qu'il ait ça. Et tour d'après, je fais source, un marqueur, ça sert à rien. Boum Ah bah, ça boum juste plus, quoi. Et bête, ben, c'est quoi Je m'en fiche. Bah ouais, hein. bon, je vais juste lui mettre 8, là. Je qu'avec drag. Et bah, par contre, tu fais quand même source, hein. Non, je ne spotte pas. Hein. Ah ouais, pourquoi Bah, tu si tu lui, je... lui mets met un marqueur, quoi. Non, tu veux pas Tu peux mettre un marqueur à gravure, même. Hein. Bah, je vais pas attaquer à gravure. Tu veux pas attaquer avec gravure On Bah, s'il si bloque, il, avec, il prend hein. que 8. Pas mal, sachant que le tour d'après, il y a encore un zrag qui. Tu crois que j'attaque avec les deux je... Bah C'était mon idée initiale, mais je me trompe peut-être. Je peux. J'étais team euh, marqueur sur gravure, euh, ok, il bloque, il prend 8, euh, fine quoi. Ok. Bon, le tour d'après, il est mort, hein. Parce que là il pouvait prendre juste 8 il regagnait 2 PEV. Bah tout, tout à fait, tout à fait, mais euh... Mais dans tous les cas euh... Ah, Ah ça explique Ouais ouais ok Bon ça va par contre Ah bah, moi je peux le faire tous les tours hein. <laughs> J'ai encore plein de marqueurs C'est juste des grosses boules de feu sur pattes <laughs> Hop je recule Bah tu vois il est concon hein. Je vais en mettre <laughs> 3. Jusqu'au bout. Hein, Et le, le, une, hein. <laughs> Après, il y a encore une, Après, s'il faut 3 11 rags pour gagner les games. Mais alors Ça fait un peu Laisse-moi quand même te dire que tu auras battu un oppo qui a joué double shoulder aid, double anti-bet avec ton deck grûle. C'est vrai. Là, il fait une vraie sortie. Bah buff. ouais. Il était pas mort. Masterclass. Il était pas mort. Mais en fait, le deck est trop fort. Hein. Juste, il se trouve que Monorail ah, si a il eu une mort. variance positive. 9 contre 4-4, c'est pas des touchs, ah, tu le défonces. Ah, il était mort. Tu le défonces, ouais. Mais tu vois, ceux qui sont partis au début de la vidéo, ils savent pas. Comme nous, on a trouvé. Pour ça, il faut mettre dans le titre. Ouais. faut dire, partez pas s'il vous plaît. Partez pas, c'est fou. Meilleur deck, mais c'est un diesel. Attention. Ouais, oh, j'ai fait une... long démarrage. Un nom pour une rediff que vous allez voir pour... Euh... Pour un de mes drafts qui sort bientôt, ouais. Bien, euh, vieux YouTube Oh, Franck Arsten. Oui lui, on va lui montrer la master class. Il a une belle source de mana, je te le dis. Il, a, il a une Elle belle est impeccable. Maths. Je fais quoi Je garde ça, c'est la pire main qu'on a eu. Hein. Je te trouve en ce là, Frank. tu le défonces. Je le garde. Il ouais. joue pas mon oreille Franck. Si en plus, il aime bien, je crois. C'est quoi ton titre, du coup C'est euh... comment ça s'appelle Attends, je l'ai là. là. Ivre de joie, il draft 5C pour la sortie de l'extension. La suite va vous étonner. Parfait. Parfait, parfait. Mais... Pour une le pêche compte, rouge sur la miniature J'ai pas pensé. Vite. Pêche rouge avec un smiley euh, qui est content et un smiley qui pleure à côté. Je le connais Franck. mon Franky, je le connais. Franck, qu'est-ce que tu me fais Je le connais. Qu'est-ce tu me fais Franck. Là, t'es sur le play contre Monorel. C'est le moment où la vidéo devient géniale. Là, parce que en plus, il y a la remontada. Là, c'est le moment. C'est le moment où on montre à tout le monde à quel point Anzrag est supérieur à Monorel. Vas-y, vas-y. Vas on s'en fout. Tiens, regarde. Vas-y, vas-y. Hop là, comme ça, elle va au cimetière, ta frappe. On gagne du temps. Là, je fais ça. Ah ouais, t'as peur que chasseuse, ça meurt. Ah, si il me la tue, c'est nul à chier, ce qu'on fait. Vas-y, t'as raison. Ça Tranquille. Va. Parce que ça, une fois que c'est 9-5, il mmh. a qu'une carte qui la tue. Alors après, attention. T'as pas, pas encore le mana, ça peut mal se passer. Faut avoir confiance, Val. Fait pas conf. confiance, ça marchera jamais. Fais confiance. Ok, je fais confiance. Ferme les yeux, saute. Tu vois tu sais qu'en fermant les yeux, l'autre fois, je t'ai. Mais c'est incroyable. incroyable. En fermant les yeux, l'autre fois, je t'ai donné tous les bons plays de l'adversaire et de, et de toi-même. Il y a des gens qui l'ont noté dans les commentaires récemment. Ah ouais Ils avaient adoré ce moment-là où euh, j'avais prédit euh, le jeu. Tu avais prédit des trucs, mais je t'avais aussi fait croire que tu avais prédit. Oui, aussi, ouais. Mais j'avais été bon sur certains trucs. Ah, là, il a, il a compris. pour faire la course. Ouais, mais il la gagnera pas cette course, je crois. J'espère que non. Non, non, je sais compter. Euh, là, en ça. tout cas, je mets les scores à égalité <laughs> en un coup. <laughs> pour l'instant, vu ce que tu vas jouer le tour d'après, il la gagne pas. Tu veux que je recommence Alors là, il va te jouer euh, Land Squee, Play with Fire. Bien joué. Pas, du tout. pas, du tout. pas de Land, euh, il a tué un Zrag. Après, il va reprendre ses 9. Hein. Il va reprendre ses 9. Je pense. Attends, si tu fais Chasseuse, Ajar, tu mets combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est moins bien que 9 J'ai compté hein Ouais mais il y a la surprise de 11 Rack pour tuer tu vois Et t'as déjà chasseuse qui est pré-shot Tu préfères Tu préfères mettre moins de dégâts Je préfère mettre moins de dégâts mais pas mourir sur un anti-bête en fait, Après il faut qu'il ait encore ça quoi Ouais mais s'il a encore eu... ça non, mais attends, si Il a encore... eu ça et ça et oui, ça Oui mais s'il a encore ça toi t'as l'étale derrière avec tes deux bêtes Mais dans tous les cas j'ai l'étale peu importe ce que je fais oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, tu vois. Mais maintenant vrai. que je dézoome deux secondes et que j'active le, le, le truc. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut pas qu'il nous tue au blast. Le machin, là, il y a un truc rond et marron à l'intérieur. Faut, faut, faut que j'appuie sur le bouton off. On, du coup. Marron C'est marron, un hein, cerveau, je crois. J'aurais dit rose. Rose gris. T'as regardé trop de cartoons. Ah ouais hmm. Je pense que c'est rose gris. J'ai vu un cerveau au cinéma, là, dans Poor Things, il y a quelques jours, et c'était un peu un peu blanc euh, teinté de rouge. Ok. Mais... Euh... Il a eu deux s'amuser avec le feu, deux frappes foudroyantes, une frénésie du pisteur en 12 cartes. Je le dis à vous, Franck Carsten, bien joué, tu nous as démolis. Mec, c'était le moment où la vidéo cas, euh, finissait en apothéose, là. Du coup Du coup, elle est nulle. Non, c'est pas vrai. Je vous montre. Super cool. Non, c'est vrai. Euh, pourquoi je pense que. Pourquoi je vois un cerveau marron C'est le, le. Moi, j'ai une idée. C'est le côté. Euh... quand tu penses à de la merde. <laughs> non. non. mais si. C'est le côté cervelle à la cantine. Attention, mangez pas devant cette vidéo. Cervelle à la cantine ouais. Il y avait de la cervelle à la cantine Ouais, quand tu petit. Et quelle cantine fait ça Ah, ben, bah, les cantines qui veulent juste euh, détruire les enfants. Ah manger moi, les enfants. <laughs> Ils font manger des enfants à d'autres enfants. Mais qui. <laughs> quelle cantine fait ça Genre, le chef cuistot, il se dit tiens, aujourd'hui. Oh petite cervelle. cervelle, Vous avez les choix entre pâte bolo, nuggets, burger euh, <laughs> moules, n'importe. Bah, il faut éduquer. Euh, ah j'en vois de la cervelle là. Faut éduquer le goût euh, des enfants. En plus ça doit être hyper chiant à faire cuire. Genre il se fait chier. Je sais pas moi, je j'en ai pas mangé. Tu te doutes bien. Tu te doutes bien que j'ai jeûné les jours ah. de cervelle. Respect euh, à toutes les cervelles, hein. Ça se trouve c'est bon, hein, mais. Ils sont dit putain les minots là, on va leur faire goûter le... la joie des abats, tu vois. La joie des abats. La joie bas. Là, je pas, tout simplement. Koumanou, là. Vas-y, vas-y. Hein. C'est marrant parce qu'on perd contre Monored, qui est censé être un bon match-up. Non, mais la partie le... de fou, quoi. Non, mais on perd la... contre Monored la... à chaque fois. Okay. Et tu vas voir qu'on va gagner contre Mono Noir qui est censé être le mauvais match-up. Pour la deuxième. Ah, mais fois. oui. C'est sûr, parce que là. Euh, je mets un 4-4, là, il est content. Hein. Oui. <laughs> Ou je mets une 3 3 Doutage. Inti 3-3 pour faire chasseuse, j'attaque, trigger et tout, c'est mieux. Vas-y, vas-y. Pareil t'as son 3-3, il le gère pas avec cut down. Cut down peu efficace normalement contre notre deck. Oh c'est bien contre évolutive, c'est bien contre les drops hein. Ouais. C'est bien contre chasseuse quand même. Oui c'est vrai que chasseuse... Et oui. Bon si On aurait... fait On ça. On aurait préféré 4-4 du coup. Ah bah oui, mais en même temps, moi je prends compte que 3-3 ça le bat normalement évolutive dans un jar ça fera le job et on est déçu si on pioche euh, si on pioche en drag mais en vrai là faut tenir le board plutôt que, que croire en, en ouais, incroyable faut lui proposer euh, de la bagarre sur ah ouais mais là on se bagarre là parce que son board est death touch enfin, peut peu death touch ça, ça lui coûte, coûte cher mais il coûtera 2 3 2 3 sous 2 3 euros ah ouais. Ah, il n'en a rien à foutre. Il ne sait pas ce qu'on fait lui. Hein. Parce que notre projet, oui oui, il est euh, très énervé. Il est très costaud. C'est ju juste que Bass, tu vois, euh, ton projet, Base. il n'en a rien à foutre. Ah non, tu vois. Lui, il a un projet et son projet a beaucoup plus de valeur tu que le tien. Il a une espèce de, de myopie où son regard s'arrête à cette ligne là au <laughs> milieu, oui, mais oui. il voit quand même très clair ici. Il voit, voilà, exactement. Il y a Donc, une espèce euh... de zone de flou. Attends, il, il fait quoi le type Il a en posé face des cartes de con Je sais pas. Ah, il ouais. regarde pas. Oh, tellement. Dommage, je n'ai pas pu changer. Euh, évolutive, chasseuse, euh, go, en vrai. Bah ouais. Hein. Et c'est pas mal, là, tu fais évoluer les deux évolutives. Guerre, piguer. Là-dessus. Ouais, tu as le droit d'attaquer du coup avec. Euh... Ça et ça. Ça, je le garde. Non j'attaque Attends, parce que là sur la phase d'attaque, sur le comeback, il va nous faire mal quand même. Ouais. Il faut que tu gardes Ajar pour bloquer un c'est ça mmh. Et ça pour chump euh, à limite. Je crois que j'attaque juste avec les okay, deux. Ok ok vas-y. Il va prendre de toute façon il est à 20. Là il voit des trucs qui s'inclinent, il sait pas ce que c'est. Voilà. Tu top deck en Zrag, on le défonce. Mais il faut le top deck. One shot. Ah ouais ouais. POMP qu'une taupe qui fait des tremblements de terre ça fait très méchant de tortue ninja je trouve mmh. ouais ou des indestructibles ouais aussi il y a un méchant qui fait ça dedans c'est une taupe ouais ouais c'est vrai ouais, ouais il ya vraiment une taupe qui fait des tremblements de terre dans à, 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 dans la, les, dans à la fin du 1 je crois ouais d'accord ok 1 2 3 4 5 6 7 ouais on doit bloquer aussi sinon on meurt je bloque comme ça non de bah, tu peux pas trade l'intrus Je peux trade l'intrus, oui. Et là, et là, on prend combien là 1, 2, 3, 4, 5, 5. Plus. Ok. Après, on conserve du board, hein, donc c'est ok. Alors, de toute façon, on a un plan. Oui, vous bien défini. Oui. Shouldn't Ah, Shouldn't c'est sûr. On deck en drag. Ouais. On fait une foule. <laughs> C'est vraiment ça le problème. Ciao. Non, mais j'ai essayé. Non, mais je, je pense essayé. que tu peux rester encore une fois. Tu veux une J'en veux une. Ok. J'en veux une petite, là. Moi, personnellement, j'ai compris. C'est vrai Mais euh, je peux les montrer. Je suis désolé. Je, je pense montrer. vraiment qu'on n'arrive pas à montrer ce que fait le deck. Tu vois ou pas Si, si, on a montré. C'est juste qu'en fait, s'il y a un setup. Alors que les non, autres mais... decks, il n'y a pas de setup. Mais je mets mes cartes, j'ai bah, pas tant, en vrai, quoi. Enfin, on a plein de drop 3 qui font que notre drop 4, quand, quand il arrive, il tabasse. Bon, le pot il est pas obligé d'avoir 12 anti-bêtes quoi. J'ai reparlé et non, de nous, on est pas sur la obligé sortie de Franck Carsten. De... De... Team Ultimate Guard, Franck, hein. on l'adore. Ouais, ouais. Euh, c'était déconné. C'était déconné. <laughs> D'ailleurs, oh, on là, va peut-être tu... le voir à Chicago. Super, Chicago. J'ai dit, il doit se déconner. déconné, déconné. ».« Il doit se déconner. The 7 at the February. Uh... We play in... En fait, ce qui est horrible, c'est que nous. On va se rappeler de la game. Et, et lui, il va faire, ah ouais, bah, il m'en fout quoi. Oui, c'était ta game de merde là. Ah, c'est vous qui jouez le Mec, la regarde, chiasse. Regarde comme regarde c'est génial ce qui se passe. Rega tu voulais pas relancer okay. cette game là Ah, si, je suis content là. D'être encore sur la draw. Ok, euh, je l'annonce. Tant qu'on bat combat pas Monored on quitte pas cette vidéo. Alors, il faut en tourner nos deux. Alors, on on peut pas faire ça. On va commander. <laughs> on va commander. Euh, on annule le podcast. Voilà. Euh, bah, on peut pas le tourner. Le podcast qui sort vendredi. Vous, ce podcast. Vous, vous le savez pas, mais vous avez hâte. Alors attention, on dit ça, on l'a pas encore tourné. Ça va. Donc il faut quand même que tout se passe bien. Ça va. Mais si tout se passe bien, bien. il sort vendredi. Écoute, je viens du futur, je t'annonce, tout s'est bien, bien passé. Tout ouais. s'est bien passé Bah écoute, je suis régalé. petite 3-3. Non, non. Non, mon non, 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 non. Alors tu vois à le land qui est chiant t a t a à gauche Ouais. Bah tu vas pas le jouer. Jamais. Ce qui est un peu chiant avec ce deck, ouais. c'est que euh, quand tout se passe bien, l'opo il peut quand même dire ok je prends. Après tout se passe pas giga bien non plus, tu peux faire des meilleures sorties. Oui, oui mais genre même quand tout se passe bien. Ah ouais. Là tout se passe pas bien. Oui voilà d'accord. Imbattable, ça. Après moi je demande Un pas. à je demande pas on de battre le meilleur deck du format gros attention. Hein. Je suis prêt. Euh... Non mais qui bat monorette serait bien. Je suis très euh, très au courant des forces et des faiblesses. Bah monorette c'est tiens gros. Ah. Je suis très au fait de, de, des limites de mon deck quoi. Ah non t'attaques pas non. Ah. non je t'ai vu là j'avais mais... une question non je calculais j'avais je calculais. Ah ouais. une question euh, sur mon chat l'autre fois je demandais aux gens est-ce que vous préférez un mono raid euh, très oui. présent mais euh, mais pas si fort ouais ça, quand il fait une bonne sortie il t'éclate mais en général ça se bat non ou tu préfères un mono raid qui est fort ouais un mono raid, un mono -raid fort pardon On pour moi c'est les meilleurs forts affronter hein. pas quand tu, tu joues toi je parle parce que là, que là, toi, là, là, là on est BO1, on n'a pas de side. Euh, donc du coup, forcément, monorail, c'est difficile. Mais quand tu es en BO3, que du coup, tu ne vas pas tout le temps ne pas commencer la partie et qu'en plus, tu peux t'adapter après side, bah, je veux que mon monorail soit assez fort pour être capable de gagner les, les games de BO3, faire que le format le respecte. Euh, je, je pense que c'est euh, symptomatique d'un format qui est très sain d'avoir un très bon monorade, ouais. ouais. Après, s'il si ça n'est un peu moins fort, là, ça ne me dérange pas. Un peu. Mais là, il est fort un parce peu. que nous, on n'est pas adapté, tu vois ah oui Nous en fait on cherche pas à battre un type, on cherche à faire briller une carte. Ouais. Parce que -elle. si jamais je dois monter un grul qui bat mono -raid, si tu veux je le monte maintenant. Je fais que des gains de points de vie, des gros ports, des murs. même pas, tu, joues, ju tu joues juste une version qui joue pas en Zrag, qui est plus ouais. euh, autosuffisante. Oh, là je suis pas mono là. Tu joues pas chasseuse, tu je joues pas sais. source. Sur tes drop 3, tu joues le 4-4 pour 3 qui toxique 2. En gros on va le défoncer. Hein. S'il faut taper mono on le tape. Hein. Tu joues des garrotés Toxique 2. Euh qui prolif. Ouais. C'est ça le bête, ça. Ah ouais, ouais. ouais c'est vrai que si on veut, on peut créer un meilleur deck. Hein. Tu penses qu'on a compris Ouais. Ah ouais. Ah, je pense que là, même les gens, ils ont dit, bon, c'est bon. Je vois le délire, euh, je vois ce que ça fait. Mais par contre, en drag, j'ai l'impression d'être un super vilain avec une cape, là. Je prends ma cape, je me tourne, je m'en vais, et je vous le dis, je reviendrai avec en drag. Mais reviens, mais euh, ch faut changer ça, là. Non, franchement non, je te jure, on a juste pas de chance. Je suis sûr tu tu pars en BO3, c'est mieux. Sûr. Non, je enfin mais moi j'aime bien la carte hein. Juste là euh, je constate quoi. Je trouve euh... ça prend que down en drag. Non, non, mais imagine. Il y a de la variance des fois dans la vie et je trouve ouais. que là en dessous, enfin là on est en dessous. On a la variance négative. Ouais, je pense. Ouais. Tu penses à la game de Frank Karsten <laughs> Je pense un peu à la game de, de Frank Karsten. Voilà, bon, bah c'est la vie. nous te dit je, je reviendrai. Je reviendrai plus fort. Méfiez-vous. Méfiez-vous dans ce règle à taupe. Fin de cette vidéo. Salut. Pouce bleu, commentaire, partager, et abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la, la belle, belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.